Bonjour, je suis Romain Barnier, je suis entraîneur au Cercle des Nageurs de Marseille. Le record de double champion d'Europe, Joaquin Gilot deuxième, deux Marseillais et deux Roland Martinez, une première dans l'histoire de la nation. Au-delà des médailles, ça a été les moments de joie, il y en a eu beaucoup. Beaucoup de moments de joie cumulés lors des championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Olympiques, en grand bassin et en petit bassin. Une partie de notre magie réside dans l'état d'esprit à la Marseillaise, cette folie, cette insolence qu'on peut avoir parfois lors des compétitions internationales et qui sert. Le fait qu'on côtoie des membres au quotidien, des gens qui ne sont pas forcément sportifs et qui fait qu'il y a à la fois une ambiance et un parfum de très haut niveau sur certaines séquences et parfois vraiment une ambiance de famille et un club familial à d'autres moments. C'est très particulier, je pense que ça fait notre force. Yep. J'espère aujourd'hui on accueille une très belle compétition qui chaque année prend de l'envergure au niveau international, le Meeting Open de la Méditerranée qui a lieu en mars. Cette compétition pourrait servir lors de l'année 2017 à, en post-Jeux Olympiques à faire venir à nouveau les meilleurs nageurs du monde et à offrir au public marseillais un des plus beaux moments de la natation de l'année 2017 sur nos terres à Marseille. Bonjour, je suis Michael Garnier, je suis quartier maître au bataillon des marins pompiers de Marseille et je suis prof de judo et jujitsu à l'SPTT Marseille. Troisième au championnat du monde de jujitsu, troisième au championnat d'Europe et champion de France jujitsu et deuxième au championnat de France militaire de judo. Le bataillon des marins pompiers de Marseille, c'est une institution, l'une des deux institutions militaires en France avec la BSPP. C'est pas toujours facile de gérer les deux. Donc, d'une part, au niveau du bataillon, c'est vrai qu'on demande beaucoup, ce qui est normal. Et aussi, d'un côté, au niveau des entraînements, où il faut être à chaque fois très précis sur tous les entraînements, sur la préparation. Donc, je le fais avec passion, donc ça passe plus facilement, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Ben, Marseille, capitale du sport en 2017, oui, c'est important parce que en parallèle, je dois avoir les Jeux mondiaux qui vont être sur sélection. Donc j'espère y faire partie pour, ben, au passage, fabriquer aussi Marseille et le bataillon. Je m'appelle Morgan Bourkis, je suis champion du monde de plongeon en apnée dans la discipline du poids constant sans palme. Je suis champion du monde depuis l'année 2013 et cette année, en septembre prochain, je remets mon titre en jeu. Je suis de Marseille, je ne suis pas marseillais, j'habite ici maintenant depuis 14 ans. Je suis arrivé en l'an 2000, mais je suis originaire de Touraine. Grâce à mes compétitions, j'ai pu beaucoup voyager, aller au Japon, aux Bahamas, en Égypte, en Grèce, etc., etc. Mais j'apprécie toujours de revenir à Marseille pour plonger parce qu'on a des fonds assez extraordinaires. Alors 2015 pour moi d'abord, donc cette année c'est la remise en jeu de mon titre de champion du monde. En 2017 ça sera à nouveau une étape sur un championnat du monde individuel. Donc on verra ce qu'il en sera. C'est vrai que c'est encore assez loin mais assez proche également. Marseille pourrait très bien accueillir effectivement ces championnats du monde. Ça nécessiterait une logistique assez importante mais pourquoi pas. Ouais, ça me plairait bien, effectivement. C'est vrai que je m'entraîne depuis de très très nombreuses années dans cette ville que j'affectionne beaucoup maintenant. Je suis devenu un habitué d'un ensemble de quartiers et je profite assez bien de toutes les infrastructures de la ville, donc pourquoi pas, c'est intéressant.